Ok, à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour. Je vais raconter l'histoire du lion et des chouriches. Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites chouriches. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. Trois petites souris s'approchaient le regard. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Aouh. Les autres souris sont effrayées, ils criaient: tu es lourd. Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. Je serai ton meilleur ami, s'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrai pas. Oh, merci, monsieur lion. Je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh. Raconte. Yeah, on y va. Padadam, padam, padam. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il filait sans pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il ruche si fort que les trois souris l'entendent crier. C'est votre ami le lion! Il a des ennuis, mon Dieu! Accrochez-vous à vos chevaux! Je veux dire, les lions, nous venons à la rescousse! Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Amis jusqu'à la fin. Gentilles souris. Les amis sont comme la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses, vous pouvez en être sûr. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Wow. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger. Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. Yeah. J'adore ça, c'est trop mignon. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de trois boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des trois boucs Gruffes. Ruff! Les trois boucs Gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte! Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les trois boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: c'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût, mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Ah,
dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a paru. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger cette douce herbe, dit le milieu des trois boucs. Oh non, 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 dit le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok. J'attends le grand frère. Le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou. Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. Trois petits sourds sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Ah! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Oh, peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer deux petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde-la. Dit le deuxième petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Waouh, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh, oh, oh non! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours, et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire, le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Ah! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Je
Je vais souffler et faire sauter votre maison. Il a essayé, il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Exploser la maison? Pas par les poils de mon manteau. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors qu'est-ce qu'est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont... Oh, papa! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. A vu trois chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, oh, c'est la meilleure des toutes. Oups! Oh mon Dieu! Oh là là! Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux! Oh mon Dieu! Regarde ce que j'ai fait! Oh! Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil! Je crois que j'ai besoin d'une sieste! Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec trois lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je l'ai fait? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les trois ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu. Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Boucle d'Or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? C'est trop marrant.
raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un. Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors, ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie. Et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. C'est chance les haricots contre ces vaches laitières. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh, Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Wouah! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit, l'orgueil du géant, 19 dans 2, cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques est assis, Jacques est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ouais, ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui! Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je te promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler. Mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais.
Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez ! Oh, pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère ? Pourquoi, mamie ? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe ? Mamie qui a une barbe. Oh, oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as ? Grand-mère, quels grands yeux tu as ? Grand-mère, quelles grandes dents tu as ? C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non ! Oh non ! Oh non ! Dis-moi ça en face ! C'est pour mieux te manger, ma chère ! Une seconde fois ! Non ! Le petit chaperon rouge se met à crier. Et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et a attrapé la bête. Je vais te donner un pont. Pour ne pas dire plus. Tu es un grand méchant loup poilu. Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis. Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger. À vous, chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant. Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant. Elle dit. Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon. C'est sûr. Ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu. Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes. En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je fais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord ou la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée, elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à rouler. Comme ça, le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui. Certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain, ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il
fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hey, tu peux aider un frère? Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches, il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop, je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop, ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop, 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde rassemble. Les garçons, les garçons qui criaient au loup. Il n'y avait pas de loup, le garçon a menti. Mais les gens du village étaient au courant. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver, sauver les moutons. Le garçon a ri jusqu'à ce qu'il pleure. Ha ha ha, tu as cru à mon mensonge. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Les jours suivants, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Les garçons, les garçons qui criaient au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Le jour suivant, le garçon dormait. Quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Qui criait au loup. Les gens du village ont entendu son cri, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce cette fois. C'est le garçon qui pleure toujours, il nous trompe tous avec ses mensonges. Personne ne l'a aidé, personne ne s'est soucié de lui. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Les garçons, qui criaient au loup. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Les garçons, cette fois il y a vraiment une araignée. Ah!
Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep. Plus de loups qui crient pour ce garçon. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman: pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit. C'est une magnifique vache. Il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte sombre. Un panneau disait: interdit aux enfants. Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fee, fi, fo, fum. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti tout, il est venu. Il est reparti tout, il est venu. Le géant a couru, il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hourra, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé. En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il touche à le sol. Hache, cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Il vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Ce mot. Une tortue terrestre, Huggy. C'est quoi une tortue terrestre? Une tortue terrestre est une très grosse tortue. Et qu'est-ce que c'est un lièvre? Un lièvre est une sorte de lapin. Pourquoi ne pas simplement appeler l'histoire de la tortue et le lapin? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Très bien alors. Un jour, le lièvre taquinait son amie, la tortue terrestre. Elle n'était pas très gentille. Le lièvre vantard pouvait courir très très vite. Mais la vieille tortue terrestre, gentille, était très très lente. Pour être si lent, ça doit être si triste. Ça doit être vraiment vraiment si mauvais. La tortue s'est mise en colère le jour de la grande course. Eh bien, faisons une course, dit-elle. Tu es trop lente, tu peux pas me battre. Je peux. Tu peux pas. Eh bien, on va voir. Le jour de la grande course.
cours sont dit vas-y, le lièvre s'est envolé par-dessus la colline et hors de vue. On aurait dit que la tortue était collée le jour de la grande, grande course. Le lièvre, il rit. Ho, 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 cette vieille tortue est lente, lente, lente. Je ne peux pas être battue, non, non. Le jour de la grande, grande course. La pauvre tortue se déplaçait si lentement, elle soufflait, soufflait. Elle était fatiguée mais forte le jour de la grande, grande course. Je suis à des kilomètres et des kilomètres, je crois que je vais faire une sieste. Elle dit dans un champ de course, elle fait un lit le jour de la grande, grande course. Juste 5 minutes, pas une minute de plus. Et ce ne fut pas aussi long. Le lièvre venteur commença à ronfler le jour de la grande, grande course. La tortue marchait lentement en sifflant une chanson joyeuse. Elle était si lente mais si forte le jour de la grande, grande course. Je n'abandonnerai pas, non, non, non. Sa confiance commençait à grandir. Allez les jambes, go, on y va. Le jour de la grande, grande course. Même quand la colline était raide, elle grimpait toujours et rampait. Et le lièvre dormait toujours le jour de la grande, grande course. Enfin, elle dépassera le lièvre, endormi et inconscient. La ligne d'arrivée, j'y suis presque. Le jour de la grande, grande course. La foule se met à applaudir et à acclamer. La tortue approcha lentement. Le lièvre se réveilla, dit oh là là, le jour de la grande, grande course. Le lièvre commença à courir, à courir. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hourra! La tortue a gagné le jour de la grande, grande course. La leçon est évidente, tu vois. Que tu sois lent ou bien rapide, si vous travaillez dur, vous réussirez le jour de la grande, grande course. Le jour de la grande, grande course. Wow. Il était une fois trois ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Cogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse, alors Boucle d'or entre dans la cuisine. C'est bon! Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froid. La bouillie de bébé ours juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'or ait eu sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'or monta à l'étage, elle vit trois jolies dans lesquelles elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. S'est endormi. Trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils
ils entrèrent tous, ils surent qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie, grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie, dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie, pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dis maman. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, pleure bébé. À l'étage, dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit, grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit, pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit trois ours qui la regardaient. Elle a crié, sautée hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Bas des escaliers à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos trois ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des trois ours. Yeah! Une histoire, maman? Oui, une histoire! Ok, vous deux, blottissez-vous contre moi et fermez les yeux. Je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge. Oui! Le petit chaperon rouge est sorti un jour. Ah ah! Ah ah! Elle allait chez Grammy un peu très loin. Ah ah! Ah ah! Elle suivait un chemin sombre à travers les bois pour aller chez Granny aussi vite qu'elle le pouvait. Ah ah! Un grand méchant loup est apparu. Ah ah, ah ah. Lève son chapeau, il dit: comment allez-vous? Ah ah, ah ah. Elle dit: ma grand-mère se sent bien si mal, je lui apporte des biscuits pour qu'elle aille mieux. Ah ah, ah ah, ah petit chaperon rouge, je dois courir. Ah ah, ah ah. Je suis attendue chez Granny à 1h30. Ah ah, ah ah. Elle dit: bonne journée. Elle est partie, mais le grand méchant loup connaissait un chemin rapide. Ah ah, ah ah, ah ah. Le grand méchant loup arrive chez Granny. Ah ah, ah ah. Et la pauvre vieille mamie était seule. Grand-mère, va dans le placard, a dit le méchant loup, puis a mis ses vêtements et a sauté dans le lit. Ah ah, ah ah, ah ah. Le petit chaperon rouge est arrivé. Ah ah, ah ah. Mamie, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ah ah, ah ah. Lui ont dit: oh chérie, viens par ici. La petite fille sent une chose étrange. Ah ah, ah ah, ah ah. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Ah ah, ah ah. Grand-mère, quels grands yeux tu as! Ah ah, ah ah. Grand-mère, quelles grandes dents tu as! Le loup dit: c'est pour mieux te manger. Ah ah. Le petit chaperon rouge s'est mis à pleurer. Ah ah, ah ah. Et un chasseur dans les bois est arrivé. Ah ah, ah ah. Le chasseur a attrapé le loup et l'a mis dans le sac. Et le grand méchant loup n'est jamais revenu. Ah ah, ah ah, ah ah. Mais en sécurité, mamie? La petite fille dit: ah ah, ah ah. Elle aide mamie à se mettre au lit. Ah ah, ah ah. Ils ont mangé des
cookies avec joie. Et c'est la fin de notre histoire. Ah ah, ah ah, ah ah. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pattes velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, 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 c'est pas un jeu, venez maintenant. Mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, c'est toujours, toujours dire la vérité. Sur une falaise où il y vivait Billy le petit, Billy le moyen et Billy le gros. Les boucs bourrus, Billy le gros, les boucs bourrus. Ils ont mangé l'herbe toute la journée jusqu'à qu'il n'en reste plus. Ils ont mangé tout le trait, il n'en restait plus rien. Et ton deux à gazon, c'est boucs bourrus. Et ton deux à gazon, c'est boucs bourrus. Au-delà d'une rivière et d'un pot, il y avait une colline couverte d'herbe. Verte et délicieuse, et riche et nutritive, répondait à leur souhait cette terre délicieuse. Répondait à leur souhait cette terre délicieuse. Billy le petit courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipetit, clopetit, hippetit, hoppetit, un troll a sauté et il cria: stop! Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Dis le troll, Billy le petit bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur troll, je suis tout petit et tu as l'air très affamé. Billy le bouc moyen est le suivant. Il est beaucoup, beaucoup plus savoureux que moi. Bon, d'accord, va-t'en, très vite. Je vais prendre Billy le moyen. Billy le moyen courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipetit, clopetit, hippetit, hoppetit, un troll a sauté et il cria: stop! Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui es-tu? Dit le troll. Je suis le bouc moyen. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce
Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis pas très grand et tu as l'air très affamé. Billy le bouc le gros est le prochain. Il est beaucoup, beaucoup plus savoureux que moi. Bon, très bien alors. Va-t'en vite. Je vais attendre Billy le gros bouc bourru. Billy le gros courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti-clopeti, hippeti-hopeti, un troll a sauté et il cria. Stop! Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Je suis Billy le gros bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh oui. Billy le gros a baissé ses cornes et a foncé sur le troll. D'un bout à l'autre, par-dessus la montagne, le méchant troll s'est envolé. Par-dessus la montagne, il s'est envolé. Ils vécurent heureux pour toujours sur cette falaise herbeuse. Billy le petit, Billy le moyen, Billy le gros, les boucs bourrus. Billy le gros, les boucs bourrus. Des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois des trois petits cochons avaient trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Aïe! Dit le loup, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois.
Du lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris, elle était effrayée et pleurait. Elle dit, si tu me laisses partir, je t'aiderai, un jour tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit, hey petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie, mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège, il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit, maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu, j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serai pas là. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. L'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre. Te battre à une course. Ha! Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je verrai à l'hippodrome. Je verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font gagner. Doucement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent, mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre rapide s'est envolé sur des kilomètres comme une fusée, mais la tortue ne faisait que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentré parce que je suis le meilleur. Attends. Mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des.
comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas, tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme, la lenteur, la cadence vous font gagner. Long et constant. La tortue a réussi, elle a franchi la ligne et tout le monde l'acclame. Tu as tellement bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour gagner? Eh bien, j'ai juste gardé mon rythme régulier. Yop, yop. Le lièvre était si triste d'avoir perdu la course. Oh, allez, couronne, je vais faire une tête d'idiot. Ah, un peu comme ça, tu vois. C'est juste un concours de grimaces. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Quels sont mes choix?